J'en peux plus, c'est trop immense ce château. Et en plus, on n'a même pas fait les jardins. Venez, il y a des places là devant Napoléon. Il était pas mal quand même. Il était jeune là. Bonaparte franchissant les Alpes de Jacques-Louis David. Dis donc, il savait drôlement bien faire du cheval. T'as vu comme il se cabre? Il tombe même pas, il se tient d'une main. Et l'autre? Le peintre va sûrement pas le montrer se cassant la figure. Napoléon aura vite fait de le virer. Il paraît que c'est lui qui a demandé au peintre de le faire sur ce beau cheval, mais qu'en vérité, il était sur un mulet. Et pourquoi il traversait les Alpes? Voilà, c'était pendant la deuxième campagne d'Italie. Ah bon, on était en guerre contre l'Italie? Contre tout le monde, les Anglais, les Russes et plein d'autres. Et on a gagné? Parfois on a gagné, parfois on a perdu, mais pour finir, on a perdu. T'as vu derrière, on voit les soldats? Ça devait être dur de grimper toutes ces montagnes chargées comme des baudets. Surtout qu'il n'y avait même pas de route. Lui, c'est pratique, hein. Il avait rien à tirer, il marchait même pas à pied. Mais c'est Napoléon quand même. Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard, musée national du château de Versailles.